Sevgili izleyenler, bu hafta sokak röportajlarımızı Paris'te filmlere konu olmuş Le Sentier'de yaptık. İzliyoruz. Fransa'nın başkenti olmasının yanı sıra bilim, sanat, kültür ve moda alanlarında da dünyanın önde gelen merkezlerinden biri Paris. Gönüllerin de başkenti olan şehir, Parislileri ağırladığı kadar dünyanın en çok turist kabul eden yerlerinden de birisidir. Her hafta bir başka eşsiz yerini gezdiğimiz Paris sokaklarında bu kez Le Sentier'deyiz. Paris 2. bölgenin kuzeyinde yer alan Le Sentier, Türklerin yoğun olarak bulundukları yerdir. Öyle ki batı yönünde de Küçük İstanbul olarak adlandırılır. Le Sentier önceleri toptancıların işgali altında yer alırken bugün şehrin gözdesi haline gelen bir yer halini almıştır. Evet, sıra geldi Le Sentier sokaklarında gerçekleştirdiğimiz keyifli söyleşilere. Alors bonjour, nous sommes au Sentier avec Clara. Bonjour Clara, dis-moi alors, tu es parisienne? Depuis 3 ans, oui, et j'habite pas très loin d'ici, à quelques pas du sentier. T'es originaire d'où? Perpignan. Perpignan, qu'est-ce que t'es venue faire à Paris? J'étais montée pour mes études à la base et finalement je travaille dans un hôtel. D'accord, donc t'es pas redescendue à Perpignan? Non, descends pour l'été pour profiter de la plage. Et voilà. Et t'aimes bien Paris? T'aimes bien la vie à Paris? Oui. Je me vois plus ailleurs maintenant, à part à l'étranger peut-être. Görüyorsunuz ki Paris'e gelen bir daha gitmek istemiyor. Gelelim şu an bulunduğumuz Le Sentier'e. Le Sentier, tu t'y installé ici comme ça ou t'aimais bien ce quartier? Moi j'aimais bien le quartier du Marais et au final Le Sentier ça fait partie limite du Haut Marais et ouais voilà, c'est entre Montorgueil et le Marais et c'est assez cool. Et qu'est-ce que tu penses du quartier? Qu'est-ce que je pense du quartier? C'est-à-dire c'est pour vivant, c'est oui voilà, c'est vivant. Toute la semaine, le soir, la journée. Tu sors souvent le soir à Paris avec tes amis, par exemple? Moi, je travaille dans la nuit, donc du coup, non, donc tu n'étais pas. Le jour de repos, je sors un peu, mais c'est pas non plus. Le week-end? Le week-end. Peki, gezmek için hafta sonunu seçen arkadaşımız, bakalım bugün neden burayı tercih etmiş? Et là, t'étais en train de faire quoi, justement? On a fait les boutiques. On a fait les boutiques et voilà. T'as acheté quoi? J'ai acheté une robe. Pour l'été? Oui, une robe pour l'été, tout à fait. T'as choisi quoi comme modèle? Un modèle assez long, à peu près du corps. Couleur? Noir. D'accord. Noir, c'est triste ça pour l'été? Quand on est bronzé avec des petites baskets colorées, c'est joli. Non? Pour Paris, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Les baskets, la tenue les qui passe baskets, partout. Voilà, c'est ça, la robe un peu longue. Vas-y. Ok, écoute, je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne visite avec ta copine qui ne veut pas venir aux écrans. Ouais, Elisa. Donc salut à Elisa. Salut Elisa. Tahmin edersiniz ki arkadaşımızın dediği gibi Paris'te yaşayanlar, özellikle de çalışanlar daha çok rahatlığı tercih etmekte. Şimdi geçelim başka bir arkadaşımızın yanına. Bakalım kimle karşılaşıyoruz? Bonjour. Alors, on est encore sur le sentier et avec Laurie. Alors Laurie, dis-moi alors qui tu es, qu'est-ce que tu fais à Paris? Alors moi j'habite à Paris, je travaille dans le monde de la mode entre guillemets. J'étais directeur d'une très 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 grande boutique magnifique qui a fermé hélas parce que notre patron a pris sa retraite et maintenant il reste juste la haute couture de cette marque. Donc je suis une fashion victime depuis très très longtemps. Moda tutkunu arkadaşımız her ne kadar burada fazla alışveriş yapmadığını söylese de anlaşılan kendine de zor hakim oluyor. Et toi alors, comment tu fais tes courses, toi qui es victime de la mode comme tu le dis? Alors moi je fais beaucoup de vide-grenier par exemple pour essayer de trouver des pièces un peu originales. Des coups de peau comme on dit, ou d'un coup je tombe sur une pièce et je me dis ah, voilà, elle est pour moi. J'ai plutôt tendance à tomber amoureux d'une pièce que d'avoir besoin d'une pièce vu que j'ai une armoire qui n'a pas besoin de pièces. Donc c'est des coups de cœur en fait? Que des coups de cœur, oui. D'accord. Et alors j'imagine que tu as plein de vêtements dans tes placards. J'en ai pas mal. Comment tu fais pour en choisir? Suivant l'humeur du matin.
suivant combien je pèse à ce moment-là. Et aussi ce que j'ai à faire, c'est-à-dire que si j'ai à marcher, je suis dans mes baskets préférées. Et si je dois faire la fille, je vais mettre de la talonnette. Voilà, suivant si je dois aller travailler, que je dois beaucoup, je vais baisser, suivant la journée. Quel serait ton quartier de prédilection pour faire tes courses, toi, justement c'est pas le sentier, mais où est-ce que tu y vas? J'ai pas de quartier privilégié, je suis une grande, j'aime marcher dans Paris, beaucoup, je marche beaucoup, et je tombe amoureuse de pièces et j'essaye pour voir si ça me va. D'accord. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? J'étais donc directeur d'une boutique de luxe et là, pour l'instant, je ferme ma bouche, je ne dis rien. D'accord, donc on mystère, on dit. Exactement. Bah écoute, parfait, je te remercie beaucoup. De rien. Bonne fin de journée. Merci, bonne balade à Paris. Et un petit coucou à notre émission qui s'appelle Bonjour. Bonjour. Sana katılıyoruz Deniz ve moda tutkunu arkadaşımıza iyi yürüyüşler diliyoruz. Şimdi kimin yanındasın? Bonjour, on est au sentier avec Thibaut. Thibaut et Cynthia. Thibaut et Cynthia, vous êtes ensemble? Oui, affirmatif. Vous êtes de Paris? Moi non, généralement non, Thibaut oui. D'accord, qu'est-ce que vous faites à Paris Thibaut? Je suis actuellement sans emploi et designer de meubles. Designer de meubles? Voilà, okay. C'est ça. Vous connaissez un peu le quartier du sentier? Oui, bon, on habite pas loin. Donc. D'accord, ah bah c'est intéressant ça. Qu'est-ce que vous en pensez justement? C'est un quartier agréable parce qu'il y a tout, à côté, il y a de bons restaurants. Bon, après c'est un quartier qui est un peu cher, mais c'est un quartier agréable à vivre. Deniz, istersen bir de burası dışında nereleri tercih ediyorlarmış onları öğrenelim. Et les autres quartiers que vous préférez le plus à Paris, c'est lesquels? Je pense qu'on est bien là. Donc voilà. Donc on n'irait pas plus loin. Je pense qu'on est bien, non, concrètement. Le Marais est sympa aussi, pour une ambiance un petit peu différente, mais je pense que voilà, Oberkampf aussi. Il est sorti, Oberkampf. Oberkampf, c'est un quartier donc vivant et tumultueux. C'est un quartier pour les jeunes? Ouais, d'ailleurs on commence à plus trop avoir l'âge d'y aller, mais. Quel âge? 26. Ah bah, je vais pas m'y installer alors, moi aussi c'est trop tard. Voilà. Très bien, merci beaucoup à tous les deux et bonne visite et rentrez bien, j'imagine. Sürekli kendini yenileyen bu semtte her an, her yerde bir sürprizle karşılaşmak mümkün. Deniz, seni takip ediyoruz. Var mı başka yakaladığın kişiler? Alors, bonjour, nous sommes au sentier avec Constance. Bonjour Constance, tu es parisienne? Oui. Tu es parisienne depuis toujours? Non, pas vraiment, je viens de l'Anjou à l'origine. D'accord. Depuis combien d'années t'es là? Deux ans. Deux ans. Et tu fais quoi à Paris? Je travaille. Dans quoi? Dans la collecte de fonds pour le milieu caritatif. D'accord. Le milieu caritatif, c'est bien ça, c'est honorable. Hein. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du quartier du Sentier? Qu'est-ce que t'en sais? Alors, je connais pas vraiment le Sentier, mais je connais plutôt le Marais qui est de l'autre côté. Voilà. Je trouve que c'est un endroit très agréable à habiter, en tout cas. Il y a plein de restaurants, de bars, il y a toujours du monde, des jolies ruelles. Des petites ruelles où on peut se balader. Et voilà, exactement, on peut s'y perdre. Il y a toujours quelque chose de charmant au coin de la rue. Et de nouveau, je crois. De nouveau, voilà, ça change beaucoup. Il y a toujours des nouvelles boutiques, des nouveaux bars, des boutiques éphémères. Bu kadar gezmeye, biz de bir gün kaybolacağız diye korkmuyor değiliz gerçekten. Et aujourd'hui, tu faisais quoi? Je me baladais pour trouver un cadeau d'anniversaire pour ma sœur. D'accord. Donc tu vas vers le sentier, tu sais que tu vas trouver des boutiques et quelque chose d'original. Voilà, d'accord. Exactement. Et t'as pensé à quelque chose? Non, j'ai pas d'idée, mais justement, j'aime bien me balader. Il y a tellement de choses ici qu'on peut toujours avoir un coup de cœur au coin de la rue. Voilà. D'accord. Et toi, justement, tes courses, quand tu t'habilles, comment tu les fais par rapport à quoi? Juste en me baladant, en repérant, tiens, ça j'aime bien, en rentrant dans une nouvelle boutique que je découvre. Voilà. Donc t'es pas fan des grandes marques, plutôt des coups de cœur que tu trouves dans des boutiques? Exactement, je vais pas chercher l'enseigne à tout prix, mais surtout repérer une petite boutique qui a l'air de faire des choses sympas, différentes, donc j'y vais. D'accord, et quels sont tes quartiers préférés encore à Paris? Où est-ce que tu aimes te balader à part le sentier et le Marais?
J'aime bien me balader vers Montmartre, Jussieu, place de la Contrescarpe, parce que ce coin-là, j'aime bien. Un peu partout à Paris, il y a plein d'endroits sympas, vers Guy Moquet. Après, ça dépend de là où sont les gens, les amis. Et justement, tu étais en train de nous dire tout à l'heure qu'effectivement, il y a beaucoup de monde sur ce quartier. Et justement, le soir, comme tu y habites, toi, c'est pas gênant ? Non, pas du tout. Ça donne toujours quelque chose, une atmosphère vivante. Et surtout dans le Marais et certainement le Sentier aussi, où il y a toujours du tourisme. C'est agréable, surtout à la proche des beaux jours. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup. Et on te souhaite bonne chance pour trouver ton cadeau d'anniversaire. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bu hafta Paris'te Le Sentier sokaklarındaydık. Haftaya başka bir yer ve başka gezginlerle sohbetlerimize devam edeceğiz. Bakarsınız, sizle de karşılaşırız, belli mi olur?